Pour les gens qui ne savent pas, ben, j'ai créé la Fondation Martin Matt en 2017 pour venir en aide à des gens qui, comme mon frère, vivent avec un traumatisme crânien ou une déficience physique lourde et qui n'ont pas de place où rester parce qu'il n'en existe tout simplement pas. Alors, la Fondation a 5 différents projets d'hébergement, soit la Maison Martin-Matt à Laval, qui a ouvert en 2008, celle de Sherbrooke, qui va accueillir ses résidents dès cette année, et ensuite, Trois-Rivières, Québec et les Laurentides. Et comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit, la Fondation supporte différents projets visant simplement à améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Le projet Equess Goldie et moi-même remercie la Fondation Martin Matt d'avoir contribué à parachever notre manège intérieur pour le bien-être de nos enfants handicapés. Un gros merci à la Fondation Martin Matt pour l'adaptation de nos équipements. Ça permet une meilleure accessibilité à nos membres et surtout un très gros merci pour le répit qu'ils procurent à nos familles. On a fait appel à la Fondation Martin Matt pour permettre de faire l'acquisition de monitoring intracrânien de haute technologie. Ce que ça nous permet de faire, c'est de toujours être au devant du patient pour éviter des séquelles à court ou à long terme chez ces traumatisés-là. Je tiens à dire un gros merci à la Fondation Martin Matt de m'avoir donné enfin un chez moi. Merci beaucoup. Depuis 3 ans, je dirais en particulier, on a remarqué que grâce à la Fondation Martin Matt et grâce à Martin Matt lui-même, qui parle souvent de son frère, la notoriété de la notion de traumatisé crânien et de personnes traumatisées crâniennes et des séquelles des personnes traumatisées crâniennes se développe rapidement. Eh bien, c'est à mon tour de vous dire merci. À ce jour, on a amassé 2,7 millions de dollars de notre objectif de 3,7 millions. Ceux qui calculent vite comme moi savent que c'est 73 % de notre objectif. Et c'est important pour moi de dire que près de 5 % de tout ce qu'on va amasser va aux victimes. Parce que moi, j'ai des dépenses, là. Et je veux remercier du fond du cœur Jean-Pierre Léger, président et chef de direction du groupe Saint-Hubert, Casimir Oleknovitch, associé président-directeur général de Sima Plus. Merci beaucoup. Tous les donateurs, les membres du conseil d'administration et tous ceux qui vont nous aider à dépasser notre objectif, du fond du cœur, merci infiniment. Là, vous vous dites sûrement, ouais, mais lui, il est humoriste, il va finir avec une blague, quelque chose. OK. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui a un accident d'auto, traumatisme crânien, devient quadraplégique. À un moment donné, il réussit à se trouver une job dans un bureau. Puis là, il arrive dans le bureau, il en a un peu réfractaire, il le voit arriver avec son fauteuil, tu sais, fait qu'il va le voir, puis il dit, hey, il dit, comment est-ce qu'il va falloir t'appeler, toi, pour que ce soit correct, là? Parce qu'il dit, c'est compliqué aujourd'hui, tu sais, il dit, un aveugle, faut dire un non-voyant. Il dit, un sourd, ça, c'est pas correct de dire ça, faut dire un malentendant. Un nain, c'est une personne de petite taille. Il dit, toi, faut t'appeler comment pour que ce soit correct, là? Fait que le gars, il dit, ben, Jean-Pierre. Bon, c'est bon, il dit, là, je vais le savoir, là. C'est quand je vais voir un gars en chaise roulante, moi, il dit, salut, Jean-Pierre.